إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس شهر رمضان واليوم نتحدث عن آداب الصيام المستحبة وقد تحدثنا في المجلس السابق عن آداب الصيام الواجبة donc ceci est la septième assise des assises du mois du Ramadan la huitième c'est ça نعم ceci est la huitième هذا المجلس الثامن من مجالس شهر رمضان donc c'est la huitième assise dans laquelle nous allons traiter inshallah ta'ala des recommandations et des comportements louables et recommandés que se doit d'adopter le jeûneur. Lors de l'assise précédente, on a parlé des comportements obligatoires que doit adopter le jeûneur et également les interdits qu'il doit absolument éviter pour ne pas remettre en cause la validité de son jeûne. Parmi min al-adab al-mustahabba al-suhur wa huwa al-akl fi akhir al-layl. Parmi les actes recommandés, il y a le fait de prendre le repas du sahur. Il a été appelé ainsi car c'est un repas qui est pris avant le fajr. Et le temps, la fin de la nuit qui précède l'aube, l'apparition de l'aube, est appelé en arabe al-sahar. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال تسحروا فإن في السحور بركة كما في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وأثنى عليه الصلاة والسلام على سحور التمر فقال نعم سحور المؤمن التمر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à prendre le repas du sahur en disant alayhi sallatu wassalam prenez le sahur car il y a dans le sahur une bénédiction. Et dans le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la séparation qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du sahur. Et le prophète alayhi sallatu wassalam a fait l'éloge particulière de la consommation des dattes durant ce moment ou ce repas du sahur. Il dit alayhi sallatu wassalam le meilleur sahur du croyant est, sont les tams, sont les dattes. Et celui qui mange le sahur doit avoir cette intention de suivre cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appliquer cette recommandation du prophète alayhi sallatu wa sallam, de prendre ce repas du sahur, d'avoir l'intention également de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, afin que ce repas soit pour le jeûneur une adoration. Une adoration qui lui permet de renforcer son corps, de prendre ce sahur dans le but de donner des forces à son corps afin de pouvoir jeûner la journée en ayant le maximum de ses facultés. Celui qui
prend son repas du sahur avec cette intention, accomplit alors une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna concernant le sahur, c'est de le retarder au maximum, tant que la personne ne craint pas manger après l'apparition de l'aube. ومن السنة تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر لأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. Retarder le sahur, car c'est ainsi que faisait le prophète عليه الصلاة والسلام. Dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Zayd ibn Thabit ont mangé le repas du sahur. Et lorsqu'ils ont terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dirigeons-nous vers la prière ». Ils ont alors accompli leur prière. Nous avons dit à Anas, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté ce hadith, on demandait à Anas ibn Malik radiallahu anhu combien de temps il y avait entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son sahur et le moment où il est entré en prière. Il a répondu, le laps de temps qui a écoulé ce moment était le temps nécessaire à un homme pour lire 50 versets. Et certains savants ont donné une estimation en temps de la lecture de 50 versets en disant anna qadra ma yaqra'u bihi ar-rajulu 50 aya thuluthu 5 sa'a thuluthu qumu 6 sa'a, le tiers d'une heure d'un cinquième d'heure, le tiers d'un cinquième d'heure, c'est combien? Un cinquième d'heure, c'est combien? C'est 12. Et le tiers de 12, c'est 4. Donc c'est à peu près 4 minutes. Wallahu a'lam. À la kulli hal, de définir le temps exact n'est pas quelque chose de demandé, mais ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est que le laps de temps entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son sahur et le moment où il a prié était extrêmement court et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait le sahur autant que possible. Wa fi hadith Aisha radiyallahu anha anna bilalan kana yu'adhdhinu bilayl faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu' al-fajr. والحديث رواه البخاري. إذن الحديث عائشة رضي الله عنها elle rapporte que Bilal رضي الله عنه faisait l'adhan de nuit et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ses compagnons, buvez et mangez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse son appel à la prière, car il ne fait l'appel à la prière que lorsque l'aube est apparue. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux appeleurs à la prière, deux mu'adhdhin, Bilal radiallahu anhu et Ibn Ummi Maktoum. Bilal radiallahu anhu faisait le premier adhan du fajr de nuit et Ibn Ummi Maktoum, qui était un homme aveugle, ne faisait l'adhan que lorsqu'on lui disait « Asbahta, Asbahta ».
que lorsqu'on lui disait « C'est bon, l'aube est apparue », et c'est lorsqu'on lui informait que de l'apparition de l'aube qu'il faisait le deuxième adhan, l'adhan qui marque l'entrée de l'heure du Fajr. Ainsi, la sunna est d'avoir deux adhan. Le premier qui a pour but de réveiller le dormeur et de lui laisser le temps de se préparer. Et le deuxième adhan qui a pour but d'annoncer l'entrée de l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ses compagnons à boire et à manger après l'adhan de Bilal. Et de s'abstenir de boire et de manger lorsque Ibn Umm Maktoum, radiyallahu ta'ala an, élevait sa voix dans son appel à la prière. Et également le fait de retarder le sahur est ce qu'il y a de plus propice pour le jeûneur. Et cela lui permet, entre autres, de ne pas se retrouver à dormir pendant l'heure du fajr. Car celui qui est amené à prendre son sahur beaucoup trop tôt, tôt dans la nuit, va être amené à se rendormir après son sahur et ainsi il multiplie la probabilité de ne pas se lever pour le fajr. Alors que si il se lève le plus tard possible et prend son repas du sahur le plus tard possible, eh bien il ne sera pas tenté de se rendormir et ainsi pourra accomplir sa prière, la prière du fajr, à son heure. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره. Et l'entrée du fajr a lieu lorsque la personne constate le signe de l'apparition de l'aube ou lorsque on le lui informe. Lorsqu'une personne digne de confiance le lui informe, que ce soit une information directe ou que ce soit à travers le adhan, l'appel de la prière. Et lorsque l'heure du fajr entre, alors le jeûneur s'abstient de boire et de manger. Et l'intention de jeûner réside dans son cœur. Le fait de prononcer son intention par sa langue est une innovation en islam. Il ne doit pas dire « je jeûne dès maintenant ». Non, il s'arrête de boire et de manger et son intention de jeûner réside dans son cœur. وَمِنْ أَذَابِ الصِّيَامِ الْمُسْتَحَبَّةِ تَعْجِيلُ الْفُطُورِ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ. Également, parmi les comportements recommandés, le fait de précipiter la rupture du jeûne lorsque le coucher du soleil est avéré. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khayr ما عجل الفطر. Dans le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils précipiteront leur rupture du jeûne. Tant qu'ils précipiteront leur rupture du jeûne. Et l'on voit à quel point la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux musulmans. Qu'Allah azza wa jal facilite les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi pour le jeûne, l'islam nous enjoint de manger le matin le plus tard possible et de rompre le soir le plus tôt possible. Car
cette religion est une religion de facilité. C'est une religion d'aisance pour celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé la bonne compréhension. والسنة أيضا أن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات La sunna également est de rompre son jeûne avec des dattes fraîches. Avec des dattes fraîches à rotab. Ce sont ces dattes qui sont juteuses. Et les noms des dattes en arabe de sont nombreux en fonction de leur évolution. Il y en a plus d'une vingtaine. En fonction de l'évolution des dates, les Arabes ont donné un nom à chaque étape d'évolution de cette date. Avant qu'elle ne soit verte, lorsque le bourgeon commence à grossir, avant qu'elle ne prenne la forme arrondie, après qu'elle prenne la forme arrondie, lorsque elle commence à être verdâtre, lorsque elle commence à jaunir, lorsque une partie de la date, la moitié de la date est mûre et l'autre ne l'est pas, lorsque l'ensemble de la date est mûre, et par la suite lorsque la date s'assèche au fur et à mesure du temps. Et cela nous montre la richesse de cette langue arabe. Arotab donc, ce sont les dates fraîches, juteuses. Celles qui produisent le plus d'énergie et qui sont les plus délicieuses à consommer. Et at-tamr, la date, at-tamr, c'est celle qui a perdu de son eau, mais qui reste, qui s'est asséchée, mais n'est pas devenue non plus asséchée au point de, d'être rigide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant de prier la prière du Maghrib. Il rompait son jeûne avec des dattes fraîches, et s'il n'avait pas de dattes fraîches, alors avec des dattes moins fraîches. Et s'il n'avait pas de dattes en sa possession sallallahu alayhi wa sallam, alors il buvait quelques gorgées d'eau. Celui donc qui ne trouve rien avec quoi rompre son jeûne, il n'a ni date fraîche, ni date, ni eau. Alors, il rompra son jeûne par ce qu'il peut comme nourriture et boisson halal. Et s'il n'a absolument rien à se mettre sous la dent pour rompre son jeûne, alors il procédera et il aura l'intention de rompre. Et sa simple intention de rompre le jeûne suffira pour être considéré comme ayant rompu son jeûne. Innama al-a'malu binniyat, les actes valent par leur intention. Il est jeûneur, il n'a pas trouvé de quoi rompre son jeûne, alors il se considère comme ayant rompu son jeûne par son intention, et cela sera valable. Et non pas comme font certaines personnes disent que lorsque la personne n'a rien pour rompre son jeûne, qu'elle rentre son doigt dans sa bouche, ou qu'elle réunit une quantité de salive qu'elle avalera par la suite, tout cela n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Également, parmi les comportements recommandés louables,
le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la rupture de son jeûne. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nous rapporte, et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan et jugé bon par Al-Albani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rompait son jeûne, disait « Zahaba al-dhama », la soif est partie. « Wabdallat al-uruq », et les veines se sont irriguées. « Wathabat al-ajru insha'Allah », et la récompense est présente par la volonté d'Allah. « Zahaba al-dhama », la soif est partie, car après avoir rompu son jeûne, notamment en ayant bu de l'eau, eh bien, la soif qu'il ressentait durant cette journée s'en va. وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقِ Et les veines se sont irriguées. Après avoir connu un moment de dessèchement, dû à justement à cette soif que ressent le jeûneur dans la journée. Et reste la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que chacun et chacune espère retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adab al-siyam kathratu al-qira'ati wal-dhikri wal-du'a wal-salati wal-sadaqah. Également, parmi les comportements louables que se doit d'adopter le jeûneur, le fait de beaucoup lire le Coran. Et l'on reviendra sur ce point en particulier par la suite. De beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de beaucoup l'invoquer, de beaucoup prier et de faire des aumônes. An ibn Abbas radiallahu anhuma, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم était la personne la plus généreuse, et il était d'autant plus généreux pendant le Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam et lisait le Coran avec lui. Ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Jibril alayhi salam venait à lui pendant le Ramadan afin de lui enseigner le Coran. Et l'année qui a précédé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le Coran avec Jibril alayhi salam à deux reprises. Et les compagnons, pour citer la bonté et la générosité du prophète alayhi salatu wa sallam, disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était plus généreux que le vent envoyé. كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Que signifie cette parole? Cette parole signifie tout d'abord, le vent qui est voulu ici, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, est le vent de la miséricorde. Car les vents sont de deux sortes. Il y a les vents de la miséricorde et il y a les vents du châtiment. Le vent du châtiment
qui a frappé le peuple Ad. قالوا عارضا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. Lorsqu'ils ont vu des nuages venir de loin, ils ont dit, voilà un vent qui apporte avec lui des nuages pleins de pluie. Et Allah Azza wa Jalla leur a répondu, بل هو ما استعجلتم به. C'est au contraire ce que vous avez demandé à précipiter. Lorsqu'ils ont dit à leur prophète Hud alayhi salam qu'il apporte alors le châtiment de son Seigneur s'il est véridique dans ce qu'il disait. Et ce vent violent, ce vent de châtiment a exterminé le peuple de Ad. Un vent tellement violent que leur corps était emporté haut dans les cieux, à une altitude tellement haute que lorsque leur corps retombait, leur tête se séparait de leur corps. Wal'iyadu billah. Mais ici, le vent envoyé avec lequel on comparait les compagnons radiallahu anhum, la bonté et la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le vent de la miséricorde. Celui qui apporte des nuages pleins de pluie, cette pluie qui s'abat sur les terres mortes comme les terres vivantes. Une pluie qui a un bénéfice général. Ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Sa bonté et sa générosité touchaient toutes les personnes, celles qui étaient nécessiteuses et pauvres, comme celles qui étaient aisées. La bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait dans la science qu'il prodiguait à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Au bien d'Allah qui lui a octroyé et qu'il dépensait aussi vite que le vent alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam qui faisait tout ce qui était en son possible pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala perdure, pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se propage, pour que les êtres humains adorent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala sans ne rien lui associer. Il enseignait ainsi alayhi salatu wassalam aux ignorants. Il aidait ceux qui étaient dans le besoin. Il nourrissait ceux qui étaient affamés. Et sa bonté et sa générosité alayhi salatu wassalam était encore plus grande pendant le mois de Ramadan. Pendant ce mois béni. Et nul doute que le fait de rassembler entre le jeûne et le fait de nourrir des pauvres, que cela fait partie des causes qui font entrer au paradis. Dans le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man asbaha minkum al-yawma sa'iman. فقال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Dans le hadith d'Abu Hurayrah radiallahu anhu,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé un jour à ses compagnons et leur a dit: qui parmi vous s'est retrouvé ce matin en état de jeûne? Abu Bakr a dit moi. Qui parmi vous a suivi un cortège funèbre aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi. Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi. Qui parmi vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ces différentes choses, ces différentes actions, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, il entrera au paradis. Et parmi ces choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de jeûner et le fait de nourrir un pauvre. Ce sont donc deux moyens qui permettent d'entrer au paradis par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أداب الصيام أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله عليه. Également, parmi les comportements à avoir lorsque l'on jeûne, le fait que le jeûneur prenne conscience du bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui. De ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui est permis de jeûner. Qu'Allah Azza wa Jal lui est facilité jusqu'à ce que cette personne puisse terminer son jour de jeûne. Jusqu'à ce que cette personne puisse terminer son mois de jeûne. Car beaucoup de gens sont privés du jeûne du Ramadan. Ils en sont privés soit parce qu'ils ont connu la mort avant l'entrée de ce mois béni, ou bien parce qu'ils n'ont pas la capacité physique de jeûner. Ce n'est pas l'envie qui leur manque d'adorer Allah Azza wa Jal à travers le jeûne, mais leur capacité physique, leur état de santé ne leur permet pas d'accomplir cette adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont la capacité physique, mais ils sont dans un égarement qui les a amenés à se détourner de ce pilier de l'islam, à savoir le jeûne du mois du Ramadan. Le jeûneur doit donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait du jeûne, ce jeûne qui est une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, élève en degré et fait entrer au paradis par une porte qui leur est exclusivement dédiée, à savoir la porte appelée Ar-Rayyan, une porte du paradis qui ne sera franchi que par ceux qui auront été jeûneurs. Ainsi, nous devons adopter ces comportements que l'on a précédemment cités afin que notre jeûne soit le plus complet possible et afin de nous éloigner de tout ce qui pourrait provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comportons-nous ainsi et prenons comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et les pieux prédécesseurs de cette communauté, car l'on ne pourra connaître cette communauté musulmane ne pourra connaître la félicité et ne pourra se réformer que par ceux avec quoi se sont réformés les premiers de cette communauté, à savoir les compagnons radiallahu anhum et les pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Wa naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.